Bonjour et bienvenue pour ce deuxième tutoriel de formation sur le logiciel SolidWorks. Aujourd'hui, nous allons détailler un petit peu la création d'esquisses qui, je vous le rappelle, dans le fonctionnement d'un modeleur volumique, sont la base d'une pièce 3D. En fait, vous vous rappelez que pour créer une pièce en 3 dimensions, on commence par une esquisse en 2 dimensions qu'on vient étirer sur la troisième dimension. La pièce support qu'on va utiliser pour ce tutoriel, c'est un boîtier de montre que vous voyez ici. Le carter, si vous voulez, qui contient le mécanisme de la montre au centre et dont la petite encoche ici accueille le bracelet des deux côtés. Une pièce simplifiée, il n'y a pas tous les perçages, mais suffisamment intéressante pour ce qu'on va en faire aujourd'hui. Ce que je vous propose de faire comme stratégie pour aujourd'hui, donc je reprends mon arbre de construction, vous vous rappelez, hein, celui qui contient l'historique de ma pièce. Je peux venir déplacer ce petit trait-là, en fait, qui me permet de remonter, si vous voulez, dans le temps, pour voir la façon dont j'ai créé ma pièce. Alors, moi, j'ai commencé par faire cette première extrusion, qui s'agit en fait du contour complet de mon boîtier. Ensuite, on va venir épaissir un petit peu le cylindre central. On va venir chanfreiner ce cylindre. Chanfrein, en fait, ça veut dire que je viens casser l'arête. Je viens, si vous voulez, adoucir cette arête en la cassant. Et je fais ensuite 4 congés pour les 4 petits supports que vous avez ici de bracelet. Le congé veut dire en fait adoucir les arêtes en les arrondissant. Voilà, un petit peu la procédure. Comment je compte procéder avec cette mise en plan de base qui me donne la cotation que l'on va utiliser. Alors c'est une cotation qui n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il manque des côtes, mais c'est la base qu'on va utiliser. On verra après un petit peu, par exemple, l'épaisseur complète, on l'a pas, mais on décidera sur le moment et on va travailler comme ça. Je vais tout simplement, avec les outils de Windows 7, je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous prenez une fenêtre et que vous la décalez complètement à gauche, hop, elle vient se mettre sur la moitié de l'écran. Et si vous prenez l'autre fenêtre et que vous la mettez complètement à droite, elle vient occuper l'autre moitié d'écran. Ce qui est intéressant pour avoir en fait ici la cotation et la pièce sur laquelle on travaille en même temps. Donc je ferme cette fenêtre, on s'en servira pas, on va complètement recommencer la conception de la pièce. On est parti. Fichier nouveau, ou plutôt l'icône nouveau. On travaille sur une pièce, on fait OK. On arrive sur l'interface, hein, je vous rappelle, arbre de conception, zone graphique et menu. Donc, pour commencer, je vous rappelle, on va faire le contour du boîtier, le profil en fait. Il me faut une première esquisse pour travailler et pour créer une esquisse, il me faut un plan. Je prends le plan de face et je démarre une nouvelle esquisse. Je vous rappelle, je sais que je suis en esquisse car je vois le repère ici. Et je vois les deux icônes par là. Voilà, c'est important de savoir qu'on est en esquisse. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure pourquoi on doit être en esquisse pour faire des esquisses. Ça pourrait vous paraître un petit peu superflu maintenant comme ça, mais vous allez vite vous rendre compte qu'on peut créer des traits, des cercles, etc. quand on n'est pas en esquisse, et en fait, ça ne sert à rien. Donc c'est important de savoir qu'on est en train de travailler dans une esquisse. On est parti. Donc mon boîtier est articulé autour d'un cercle. Mon esquisse est articulée en fait autour d'un cercle de diamètre 40 mm. Alors, rien de plus simple. Hein. Je prends l'outil cercle. Et la chose intéressante à faire, c'est de partir de l'origine là. Donc je clique une fois. Alors je sais que je suis sur l'origine car j'ai cette petite icône de coïncidence qui s'affiche. Je clique une fois. Je développe mon cercle sans chercher forcément à faire un diamètre de 40 mm de suite. Je le fais ensuite avec la cotation. Cotation intelligente, je sélectionne mon cercle, je pose ma cote et je rentre le diamètre qui est de 40 mm. On va peut-être rapprocher un petit peu la cote, on va zoomer. En zoomant, on peut venir eh bien effectuer la première petite oreille ici, comme ça, qui permet de comporter le bracelet. Alors, cette petite oreille en fait est composée, vous le voyez, de 3 segments. Le premier qui est un petit peu penché, le second qui est horizontal et le troisième qui est vertical. Donc pour cela, je vais appuyer sur Échappe pour quitter le mode de cotation
et je vais sélectionner l'outil ligne. Alors, je zoome un petit peu. Et je vais commencer par faire le petit trait vertical qu'on a ici. Alors, comment est-ce que je sais qu'un trait est vertical ou horizontal ou quoi que ce soit? Eh bien, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, mais vous avez une petite icône en jaune qui s'affiche quand je suis vertical. Donc attention, elle n'y est pas, elle y est. Vous voyez, ça veut dire que je suis contraint vertical. Donc je pose, je clique, je pose mon trait. Ici, de la même façon, j'arrive à l'horizontalité quand j'ai cette petite icône qui s'affiche. Vous voyez? Et ici, j'ai un trait à faire qui n'est ni horizontal ni vertical, mais qui est un petit peu penché. Mais cela dit, il doit toucher mon cercle. Donc, je fais quelque chose de penché et j'arrive vers mon cercle. Mon cercle, je le vois parce que la petite icône coïncidence est affichée. Voilà. Donc, je quitte. Alors là, il a envie de me faire un nouveau cercle. Hein. Je vais quitter. Voilà, en appuyant sur Échappe. Et de suite, je vais faire la cotation. Hein, ça sera fait, ce qui permet en fait de mettre directement les bonnes proportions à la pièce. C'est pas obligatoire en fait, si vous voulez, mais là, il vaut mieux poser directement les cotations de façon à pas déformer trop la pièce quand on va coter par la suite. Alors, ici, j'ai une cotation de 5 mm pour cette arête-là. Donc, je clique et je pose ma cote. Je mets la cotation de 5 mm. Je vois ici que j'ai 44 mm entre ce trait-là et ce trait-là. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de ne pas faire cette cotation de suite, de la faire plus tard lorsque le second trait sera créé en dessous. Voilà. J'ai par contre 80 mm ici d'angle entre l'horizontale et ce trait-là. Alors, rien de plus simple. Hein. Donc, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit. Pour créer une cotation d'angle, il suffit de sélectionner deux segments qui ne sont pas à 90 degrés. Donc là, on y va, on sélectionne le premier, le second, et par défaut, il vous lance une cotation d'angle. Alors là, ce n'est pas le bon angle que j'ai, hein. D'accord? Donc là, moi, mon angle, je le vois, il suffit de se déplacer sur le cadran, je puis dire en fait le cadran d'angle que vous désirez. Donc là, ce n'est pas celui-là non plus, mais c'est bien cet angle-là qui m'intéresse. Regardez, si je déplace ma souris, l'angle se met à jour. Voilà, donc moi c'est bien celui-là qui m'intéresse. Je pose ma cote et je rentre les 80 degrés. Voilà, il me manque une cotation ici, ce sont les 20 mm entre ce trait-là et ce trait-là que je vous propose de faire ensuite dans la mesure où le deuxième trait n'existe pas. Alors, ce qui est intéressant de faire quand même, c'est de respecter scrupuleusement la cotation de votre document de référence. Si vous avez 44 mm entre ce trait et ce trait, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 44 mm. Vous pouvez très bien mettre 22 mm de là jusqu'à l'axe, mais ça sera moins précis, si vous voulez, pour la fabrication que de mettre les 44 mm. Alors, particularité pour cette pièce-là, donc on va pouvoir mettre en grand maintenant, hein, puisque là, on n'a plus vraiment besoin de cotation. Particularité de cette pièce, en fait, c'est qu'il y a des plans de symétrie, des axes de symétrie. Vous avez bien vu que cette oreille était symétrique à l'autre en face, et ces deux oreilles sont symétriques aux deux autres en dessous. Donc, si vous voulez faire un axe de symétrie, rien de plus simple, vous allez dans l'outil ici trait, vous pouvez développer avec le petit triangle en fait pour avoir d'autres options, et vous avez l'outil ligne de construction. Alors, la ligne de construction, c'est comme une ligne en fait. La seule chose qu'il faut connaître, qu'il faut savoir par rapport à cet outil-là, c'est qu'il ne sera pas pris en compte pour générer de la 3 dimensions. C'est-à-dire qu'en fait, tous les traits pleins seront pris en compte pour générer avec la fonction extrusion. Dès qu'on est avec une ligne de construction, comme ici, eh bien ça reste pour la construction. Ce n'est pas pris en compte quand on passe à la 3 dimensions. Alors, je vais un petit peu vite. Donc je développe, je prends une ligne de construction, je vais créer donc cet axe de symétrie en passant par l'origine. Voilà, donc je viens ici, vous voyez, alors il y a une petite icône qui s'affiche qui veut dire que je suis coaxial par rapport à l'origine, hein, c'est ce que j'attends. Et je fais cet axe de symétrie, je vais le faire vertical. Voilà, là je suis vertical. Voilà, peu importe la longueur, hein. J'appuie sur Échappe pour désactiver. Voilà.
On va ensuite effectuer la symétrie de cette première oreille là, cette première protubérance par rapport à l'autre. Alors, comment est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais appuyer sur CTRL et je vais maintenir le bouton CTRL appuyé, ce qui me permet de faire des sélections multiples. Je vais sélectionner les éléments que je veux symétriser, donc ce segment et ce segment. Je laisse CTRL appuyé, hein. Je vais ensuite sélectionner l'axe de symétrie qui m'intéresse, c'est celui-là. Et vous avez un petit outil ici, là, qui s'appelle entité symétrique. Vous cliquez dessus et le logiciel vous génère la symétrie. Et cette symétrie sera respectée même si vous modifiez la rotation. Regardez là. J'attrape. Ici, je vais attraper l'un de mes points comme ça. Je vais essayer de le faire bouger un petit peu et vous voyez que la symétrie est respectée. Et à ce moment-là, je reviens sur ma cotation. À ce moment-là, ici, je peux venir rentrer ma cote de 20 mm entre les deux segments que vous avez ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire exactement la même chose pour les deux protubérances. J'appelle ça protubérance, hein, je ne connais pas trop le nom, hein, que vous avez en dessous. On va les symétriser par rapport aux deux qu'on a en dessus. Donc, allons-y. On va sélectionner ici ce segment. Je sélectionne en fait l'ensemble des éléments que je veux symétriser en fait, hein. Voilà. Alors je vais un petit peu vite là, il me manque quand même quelque chose, il me manque l'axe de symétrie. Allez, je clique à côté pour désélectionner et je vais créer mon deuxième axe de symétrie, bien sûr, l'axe de symétrie horizontale. Alors, si je ne le mets pas, ça ne marchera pas. Voilà. Donc on est parti. Je maintiens, j'appuie sur le bouton CTRL et je maintiens CTRL. Je sélectionne mes deux protubérances là, ainsi que l'axe de symétrie horizontale. Et je clique sur le bouton Entité symétrique. Et nous voici en fait avec nos quatre oreilles ou protubérances qui, je vous le rappelle, réagissent en symétrie puisque ces relations existent. Alors ces relations, au passage, vous les avez ici, là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça veut dire qu'il y a une relation de symétrie. Voilà. Qu'on peut éventuellement supprimer, hein. Regardez là. Ici, par exemple, je vais cliquer sur cette contrainte. Cette relation, en fait, si vous voulez, d'horizontalité de ce trait, j'appuie sur le bouton supprimer, et là, à ce moment-là, je ne suis plus, je peux faire quelque chose qui n'est plus symétrique. Alors, voilà ça. Vous voyez un petit peu là, la symétrie, qui n'est plus horizontale, pardon. Là, vous voyez, l'horizontalité n'est pas respectée. Je peux venir soit faire édition annulée, donc là, on va se remettre sur une horizontalité, ou alors je peux venir sélectionner ce segment-là et le recontraindre horizontal. C'est la même chose. Puisqu'il y a symétrie entre les quatre oreilles, en fait, les quatre traits en fait symétriques reviennent horizontaux. Bien, je vais rentrer ma cote ici de 44 mm, voilà, entre les deux segments qu'on a ici. Donc, je prends l'outil cotation intelligente. Et je rentre mes 44 mm. Voilà. Et si tout va bien, mon esquisse est complètement noire. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les côtes ont été rentrées. Le logiciel n'a plus besoin d'avoir de dimension pour connaître complètement les formes de mon esquisse. Alors on continue. Donc on va percer au centre le cylindre de diamètre 30, le cercle de diamètre 30 pour continuer. Voilà, donc je prends l'outil cercle. Voilà, je ne cherche pas trop encore à avoir le diamètre précis de suite. Je mets la cotation, je clique une fois, je pose la cotation et je rentre les 30 mm. Voilà. Il y a encore quelque chose qu'on peut faire ici. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, vous avez la petite partie plane ici pour faire passer le petit bouton, d'accord? Donc, de quoi il s'agit en fait? Il s'agit d'un segment en fait qui est tangent au cercle de diamètre 40 mm, centré sur l'axe et de longueur 10 mm. Rien de plus simple, hein, donc on va zoomer un petit peu. On va créer avec l'outil trait cette petite face plane là. Donc, on va se mettre sur le cercle. Voilà, alors vous avez vu ici, quand vous cliquez sur un cercle, par défaut, il vient attraper
La tangence, hein. Vous voyez que le cercle devient tangent au trait que je suis en train de créer. Bon, c'est pas ça que je veux. Alors, pour désactiver un petit peu ça, vous revenez avec votre souris sur le cercle et là, il vous prend le point original que vous aviez. Donc, je me mets bien sûr horizontal. Je clique une fois, je relâche et je crée le deuxième trait qui est vertical. Voilà. Et je clique une troisième fois et j'arrive sur horizontal, hein, horizontal et sur contraint sur mon cercle. Donc là, vous avez vu les deux icônes en jaune qui s'affichent, hein. La première, la petite icône jaune avec un point rouge, ça veut dire coïncidence par rapport au cercle, c'est-à-dire que mon point est sur le cercle. Et la deuxième veut dire horizontal. Je clique, j'appuie sur échappe et j'ai ma petite face plane qui est créée. Alors deux choses. Premièrement, vous savez que ce cercle, il est tangent. Hein, vous le voyez, on voit ici là. On doit avoir le cercle tangent au trait ici. Rien de plus simple. Hein. Vous appuyez sur CTRL pour avoir l'état de sélection multiple. J'appuie sur CTRL et je maintiens CTRL. Je clique sur mon segment. Je clique sur mon cercle qui doit être tangent au segment. Et ici, vous avez une petite boîte de dialogue qui s'affiche avec ajouter des relations. Comme par exemple ici, tangence. Je clique dessus et la tangence est activée. Voilà. Deuxième chose que je peux faire ici, donc, alors, dans l'ordre ou pas, hein, je peux mettre la cotation de 10 mm, hein, ça sera fait. Voilà. 10 mm. Et vous avez bien vu en fait qu'il fallait que cette petite face plane soit centrée par rapport à l'axe. Alors, vous avez deux façons de faire, hein. Soit vous mettez une cotation entre ce segment et l'axe de 5 mm, ou alors mieux, vous pouvez même forcer la symétrie entre plusieurs éléments. Alors pour cela, rien de plus simple, vous appuyez sur CTRL et vous laissez le bouton CTRL maintenu. Vous cliquez sur le premier segment, alors pas facile à avoir là. Voilà, le premier segment, le deuxième segment qui doit être symétrique et l'axe de symétrie. Voilà, les trois sont sélectionnés. Vous avez la boîte de dialogue relation qui s'affiche ici et vous le forcez à être symétrique. Voilà. Voilà un petit peu comment on crée cette relation de tangence et de symétrie qui nous intéressait. Bien, mon esquisse est à peu près complète ici, mais ça ne va pas marcher là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On va essayer de le faire marcher, on va voir et on va expliquer pourquoi ça ne marche pas. Hein, j'ai à peu près fait tout ce qui était. J'ai à peu près fait tout mon profil là, mais pourquoi ça ne va pas marcher? Alors, j'essaie d'activer la fonction extrusion. Donc là, je clique dessus et là, rien ne se passe. Normalement, vous savez qu'il me met en 3D directement. Là, au contraire, regardez ma souris là. Ici, vous avez cette petite icône qui apparaît. Alors ça veut dire que ça veut dire que votre esquisse n'est pas valide. Hein. C'est-à-dire que votre esquisse comporte plusieurs surface, plusieurs zones qui sont fermées. Alors regardez, il vous les décrit ici. Il vous demande de choisir, est-ce que vous voulez faire celle-là, voyez, est-ce que vous voulez faire celle-là, celle-là, etc. Alors on pourrait très bien, si vous voulez, sélectionner ces différentes surfaces-là. D'accord? Mais on peut directement aussi faire une esquisse valable. C'est-à-dire qu'en fait, votre esquisse, le contour de l'esquisse forme en lui-même, tout seul, un contour fermé. Donc j'appuie sur échappe. Je me remets en vue normale. Voilà. Et je vais essayer de découper mon esquisse pour avoir cette esquisse fermée, avec une seule surface fermée qui sera directement valide pour mon extrusion. Donc là, vous revenez dans l'onglet Esquisse et vous avez cet outil-là, Ajuster les entités qu'on va utiliser. Un petit ciseau comme ça. Voilà. Et on va s'en servir pour découper. Alors vous voyez bien que l'option Ajuster au plus proche soit validée. C'est important. Les autres, on ne s'en sert pas vraiment pour le moment. Hein. Ajuster au plus proche et vous découpez ce qui doit être découpé. Donc là, je sais que ici ce segment n'est plus, si vous voulez, valide pour mon esquisse. Pareillement pour celui-là. Pareillement pour celui-ci. Celui-ci. Je zoome un petit peu. Ce segment-là et ce segment-là. Voilà. J'appuie sur échappe. Et là, j'ai bien une surface délimitée par mon esquisse. Qui est en fait tout simplement valide pour avoir une extrusion. Alors, je fais fonction extrusion et là ça marche directement.
Alors, je ne pense pas avoir donné de dimension transversale. On va l'épaissir, on va faire une extrusion de, je pense, 5 mm. Ça sera satisfaisant. C'est pas très important. 5 mm et je valide. Voici ma première fonction. Voilà mon carter en fait de montre dans son premier état. La deuxième partie qu'on va faire, en fait, on va venir faire le petit cylindre qu'on va venir extruder et on fera le chanfrein. Alors, pour faire un cylindre, il me faut dessiner deux cercles concentriques en esquisse. Pour faire une esquisse, il me faut un plan. Je vais sélectionner le plan qu'on a ici, là, la face plane de la pièce que je suis en train de concevoir. Je vais aller dans esquisse. Voilà, esquisse. Je me mets en vue normale. Voilà. Et je dessine, en fait, mes deux cercles, le premier et le second, sans chercher encore une fois à avoir les bonnes dimensions de suite. Alors, vous pouvez aussi ajouter des relations pour des cercles. Donc, je m'explique. Vous appuyez sur CTRL et vous laissez CTRL maintenu. Vous cliquez sur le cercle extérieur, vous cliquez sur l'un des morceaux de cercle extérieur de votre pièce existante. Vous avez la boîte de dialogue Ajouter des relations qui s'affiche et vous pouvez donner comme relation coradial. Coradial, ça veut dire que on partage le même rayon. Mais quand vous partagez le même rayon, vous partagez et le même cercle et la même dimension de rayon. Voilà. C'est la même chose que de définir un cercle centré sur l'origine et de lui donner un diamètre de 40 mm, comme tout à l'heure en fait, hein. Parce que là, le diamètre est de 40 mm. Le deuxième cercle, en fait, vous avez bien vu qu'il était ici confondu avec le perçage qu'on a ici. On va faire exactement la même chose, ou plutôt on va faire différemment. Je vais le supprimer, je vais faire une autre chose, là, vous allez voir. Il est possible, avec le logiciel, de convertir des entités en 3 dimensions, comme par exemple ce segment ou ce cercle, en entités d'esquisse, comme par exemple ici le cercle que je suis en train d'utiliser. Donc pour cela, je vais sélectionner mon arête, que j'ai ici, le cercle arête, qui, je vous rappelle, n'est pas dans l'esquisse, qui n'est pas encore utilisable, et je vais cliquer sur ce bouton, convertir les entités en entités d'esquisse. Je clique dessus, alors c'est un petit peu long, hein, ça rame un petit peu cette fonction. On attend un peu, on est patient. Donc c'est en train de venir. Voilà. Et vous validez ici. Voilà. Donc là, j'ai mes deux. Alors, c'est pas très très visible avec les couleurs noires, hein, mais vous avez vos deux segments concentriques. Je peux lancer la fonction de bossage. Voilà. Que je vais régler la hauteur. Je pense que 2 mm seront satisfaisants. J'ai pas trop de dimensions là pour les dimensions transversales. Voilà. Il me faut ensuite venir chanfreiner l'arête extérieure de façon à la casser pour faire cette espèce de petit cône comme ça ici là. Alors c'est pas très compliqué, hein. Vous sélectionnez l'arête que vous voulez chanfreiner, dans le cas précis c'est celle-là, et vous cliquez sur. Alors vous allez dans les outils ici, dans fonctions, hein, et vous avez congé. Congé en fait ce sont les cassures d'arête, hein. Vous avez deux options, vous avez soit congé, soit chanfrein. Vous sélectionnez chanfrein. Le logiciel vous demande de définir un petit peu comment est-ce que vous voulez créer votre chanfrein, notamment avec la distance du chanfrein et l'angle. Alors, moi, la distance que je vais mettre, ça va être 2 mm. Voilà, donc là, ça apparaît. 2 mm, en fait, ça veut dire que c'est la distance entre ce point-là et ce point-là. Et l'angle. L'angle, eh bien, vous l'avez compris, c'est l'angle du cône, du demi-cône. Voilà. Je pense que j'avais mis pour cette pièce-là 60 degrés. Je crois. 60 degrés, c'était satisfaisant. Voilà, vous voyez un petit peu. Alors, c'est un petit peu. Ce que je suis en train de faire là, c'est sans trop réfléchir aux dimensions. On peut travailler de façon précise avec les chanfreins, bien sûr. Mais là, c'est pour vous montrer juste la fonction. On ne va pas rentrer dans les détails. Hein. Donc là, ça me semble satisfaisant. Vous validez. Voilà, on a presque terminé. Il me reste plus en fait que les congés ici pour les quatre petites arêtes des oreilles qui contiennent le bracelet. Alors, ce que je vais faire, je vais activer l'outil congé ici, je clique dessus.
je sélectionne mes quatre arêtes. Un, alors, je sélectionne, je clique une fois, je clique une fois, encore une fois, et une fois. Je n'ai pas la peine de laisser maintenir. Mes quatre arêtes s'affichent ici, là, dans les éléments qui vont être à faire un congé, et je règle la dimension de mon congé. Je crois que 2 mm est une valeur satisfaisante, hein. Vous pouvez le vérifier comme ça, et je valide. Voilà ma pièce terminée. Je vous remercie pour votre attention.